Chaîne. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo DIY, comment coudre une robe bustier. C'est simple comme bonjour, ok c'est vrai c'est pas simple comme bonjour, mais avec de l'entraînement ça va devenir un peu plus fluide et tout et tout. Si tu n'as pas encore regardé la vidéo précédente, en fait c'est la vidéo qui vient avant cette vidéo, je t'en supplie, va d'abord regarder cette vidéo parce que ça va te montrer comment tracer ou réajuster, modifier le patron pour obtenir ce résultat. Et ici, tu peux ajouter tout ce que tu veux sur les côtés. Comme j'ai dit dernièrement sur une vidéo, lorsque je faisais le patron du bustier, j'ai changé, j'ai rajouté ceci. J'ai trouvé que ça faisait un peu plus joli. Je suis un peu redescendue, un peu là-bas derrière et tout. Et c'est tout simple, une jolie robe comme ça pour l'été. Ou alors, si tu vas aller à une petite soirée, une petite fête, c'est tout sympa d'être un peu différente. Et ce qui est bien, c'est parce que c'est fait pour ton corps. C'est-à-dire, personne d'autre ne peut mieux porter ça que toi. Il n'y a que toi qui peux porter ça. Non. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment assembler la robe, comment assembler pièce machin et comment également assembler la doublure, faire des finitions et tout. Donc, je vous laisse regarder la vidéo. Je ne fais pas trop bavarder aujourd'hui, je vous laisse regarder la vidéo et j'espère que le tuto va vous plaire. A tout de suite. Voilà, le montage des pièces se fait exactement comme sur la vidéo du bustier en wax. Donc, je t'invite vraiment à aller regarder cette vidéo et faire pareil. Donc, à l'aide de mes crans que j'ai marqués, je vais assembler tous les tissus. Et à ce niveau, je descends à 2 cm juste pour que les finitions soient bien à ce niveau. Et c'est à partir de là que je vais coudre pour joindre les deux pièces. Du devant de ma robe en fait. C'est-à-dire c'est le même processus avec le top bustier en wax. Donc regarde encore la vidéo et tu fais pareil en fait. Et là j'ouvre les coutures, toutes les coutures j'ouvre avec le fer à repasser, comme ça c'est bien défini. Et là c'est le dos, je fais endroit contre endroit, le devant et le dos, et je vais coudre. Je fais pareil pour la doublure. Et ici, je fais endroit contre endroit. Et faire en sorte que les coutures soient vraiment disposées entre elles, couture contre couture. Dans mon cas, ici, je voulais mettre des bretelles. Tu peux mettre des bretelles ou une bretelle. J'ai choisi de mettre une bretelle comme ceci. Je ne sais même pas si on appelle ça bretelle. En fait, j'ai mesuré de mon cou jusqu'au niveau de mon soutien-gorge, les passants de mon soutien-gorge. Bref, vous faites comme ça et tu vas poser ça de cette manière, c'est-à-dire la ligne, je sais pas si tu vois le deuxième trait à partir du trait de milieu, juste un peu à côté, vraiment comme sur l'image, épinglé. Tu peux d'abord arrêter à la main et essayer à chaque fois si c'est bon. Tu arrêtes à la main ou tu mets les épingles, tu essaies à chaque fois. En fait, c'est ce que j'ai fait au point où j'étais satisfaite. Et ensuite, tu vas passer au fil, à la machine, pardon. Et là, endroit contre endroit, coudre de cette manière. Ici, soit tu lâches le fil et tu termines le tour au niveau de la bretelle, tu lâches le fil. Et tu continues, c'est-à-dire tu lâches le fil, tu fais pas un fil serré à ce niveau. Et ça te permettra de bien essayer. Également au niveau de la fermeture, commencez à 1 cm à partir d'ici parce que c'est là où la fermeture va passer. Voilà, lorsque c'est fait et tend le tissu de cette façon, j'ai cranté, tu peux laisser comme ça, c'est pas grave. Et mettre d'un côté le tissu principal et la doublure. En fait, on va coudre cette partie, plaquer le tissu principal du côté de la doublure
de cette manière et coudre, mais ici fais en sorte que tu prennes la même quantité. Ça, il faut pas que tu prennes un peu grand, après ça descend, non, que ce soit la même quantité. Donc à ce niveau, vas-y doucement en tirant le tissu des deux côtés et toujours s'arrêter à 1 cm la partie de la couture. Et là, ça va donner quelque chose comme ceci. Ça va permettre en sorte que la doublure ne se voit pas lorsque tu vas porter ta robe, quoi. Donc, ça va faire ceci. Voilà. Et non, je revérifie mes bretelles. Ici, comme j'ai dit, tu peux serrer le fil après. C'est-à-dire, quand tu vas coudre, là, tu vas pas serrer le fil. Et tu vas retourner, tu vas essayer. Si ça attrape bien au niveau de ton cou, lorsque c'est bon, tu pars resserrer les fils au niveau des bretelles et ensuite tu peux couper. Ensuite, retourne ton tissu et passe le fer à ce niveau pour encore mieux plaquer les coutures. Voilà ce que ça donne déjà par le devant. Et voilà le dos. Maintenant, nous allons placer la fermeture. J'ai une fermeture d'une longueur de plus de 30 cm. Je vais laisser la longueur en barre d'infos, mais elle était très longue. Donc, du coup, je ne l'ai pas utilisée tout. Tu vas déterminer où tu vas mettre ta fente. Si tu veux une fente, bien sûr, tu vas déterminer là où mettre ta fente. Et voilà quoi. Je pense que j'ai déjà beaucoup fait des vidéos où je place des fermetures. Mais c'est pas grave, je vais encore montrer. Et là, tu vas déterminer où va s'arrêter la fermeture. Là, moi, j'ai plaqué là, ça va s'arrêter là. Et je retourne tout le vêtement de cette manière. Je fais en sorte que le tissu principal soit posé endroit contre endroit et la doublure de l'autre côté pareil endroit contre endroit, et j'essaie de bien joindre à ce niveau couture contre couture. Et là, je vais prendre le fer à repasser, je vais essayer de marquer mes valeurs de couture que j'ai prises aujourd'hui. Mais avant ça, je vérifie encore ma fermeture là où je veux que ça arrête, et là je marque au fer. Si tu as pris 2 cm de valeur de couture pour la fermeture, tu plies 2 cm. Bon, ça, c'est pas obligé. C'est juste que j'ai trouvé cette façon plus facile pour placer la fermeture. Si c'est 1 cm de valeur de couture fermeture, tu vas faire comme ça et tu vas placer ta fermeture et t'arrêter à l'endroit indiqué, là où j'ai mis mon épingle. Voilà, lorsque je sais où ma fermeture va s'arrêter et j'ai déterminé également ma fente. Donc l'endroit qui me reste au milieu entre là où ma fermeture s'arrête et là où ma fente commence, je vais coudre à cet endroit tout en tenant compte des valeurs de couture. Au cas où tu ne veux pas de fente, si la robe est vraiment mini, tu vas coudre tout comme ceci. Tu vas fermer partout, tout en tenant compte des valeurs de couture, bien sûr. Et faire pareil du côté de la doublure. Je marque. Ensuite, je prends ma fermeture. Je vais mesurer à l'endroit où je veux qu'elle s'arrête. Et je coupe tout le reste si je veux pas de fente, et je coupe comme ça si je veux une fente. Voilà, à ce niveau, lorsque c'est cousu, je te conseille d'aller essayer ta robe pour voir si tu rentres à l'intérieur. Si c'est bon, on continue. Et là, je reprends donc ma robe. Là, c'est fermé, là, c'est ouvert. Et je prends également là. Pareil. Tu retournes la robe comme ceci.
Tu peux mettre également la fermeture de cette manière. Tu vas juste faire des plis comme ça vers l'intérieur, placer la fermeture et la coudre. C'est possible. Mais moi, j'ai utilisé une autre technique ici. Et c'est mieux d'utiliser une fermeture invisible pour la robe. Ce sera encore plus joli. En fait, le fini sera, le rendu sera très joli. Donc là, je retourne la robe à l'envers, la position initiale comme avant. Et je vais prendre ma fermeture que je vais placer. Donc je prends comme ça et je retourne et je place comme ceci. J'ai plein de vidéos où je place les fermetures sur la jupe, sur les sacs. Donc n'hésite pas à aller regarder si tu ne maîtrises pas encore bien. Et là, je vais épingler le tout. Et pareil pour l'autre côté, j'épingle et je vais passer à la machine. Tu peux d'abord arrêter à la main pour les débutantes. Là, tu peux passer à la main et essayer toujours ta robe fermée et voir si elle te va bien. Un peu, c'est-à-dire la même chose comme nous avons fait dans le bustier. À ce niveau, tu vas essayer jusqu'à ce que tu sois satisfaite. Et là, tu peux fermer. Donc, tu vas essayer ta robe. Si c'est qu'il y a des retouches, tu vas juste arrêter au niveau des côtés. Et avancer. En fait, on le fait avant de tout fermer. Donc maintenant, ma robe est endroit contre endroit. J'ai le côté envers face à moi. Donc le mauvais côté me regarde. Et la doublure et la robe principale sont endroit contre endroit. Je replace juste comme ceci. C'est-à-dire ma fermeture va vers l'intérieur. Je ne la vois pas. Et je vais fermer comme ceci. Je vais épingler là et je vais coudre. Rassure-toi juste que le côté endroit, le côté envers de la doublure te regarde également du tissu principal. Fais pareil pour l'autre côté. En fait, c'est la même technique que lorsqu'on doublait le blouson en wax. Pour celles qui ont déjà regardé cette vidéo, c'est la même chose. C'est-à-dire, on tourne sur les mêmes principes, c'est la même chose. Et là, je vais coudre également. Voilà, c'est terminé. Je vais essayer de retourner la robe. Voilà, j'ai réussi à la retourner. Je vais essayer de fermer ma fermeture. Donc voilà ce que ça donne déjà également à ce niveau. Va essayer la robe. Et si elle danse encore sur toi, ça dépend de ce que tu veux. Moi, je voulais qu'elle me tienne vraiment. C'est-à-dire qu'on ait l'impression que c'est une robe moulante, mais pourtant c'est du coton pur. Donc du coup, tu peux arrêter au niveau des côtés. Là, il faut ajuster. Tu ajustes au niveau doublure. N'oublie pas doublure. Et si tu ajustes au niveau du tissu principal, ajuste également au niveau de la doublure. Parce que c'est la même chose. Si tu enlèves de l'autre côté, que tu n'enlèves pas de l'autre côté, toi-même, tu vas le remarquer. Ça va pas aller. Maintenant ici, ce que je fais, c'est juste que parce que j'ai coupé ma doublure, pareil que la robe, généralement je devais couper la doublure un peu plus courte que la robe, j'ai oublié. Donc je vais enlever environ 4 cm de la doublure. Donc ce que je suis en train de faire, j'ai mesuré 4 cm que je vais couper. Alors ici c'est délicat parce que je m'apprête à doubler. Ici tu peux décider de faire ton ourlet comme tu veux parce qu'ici on a déjà terminé la robe. Mais j'essaie une autre technique vraiment parce que je voulais fermer toute la robe. Et je pense que prochainement je ferai autrement parce que j'ai omis certaines choses mais c'est pas grave. Donc ce que tu vas faire c'est faire en sorte que tu attrapes de cette manière
la doublure est le tissu principal au niveau des coutures. Ça te donne ceci, ça dit tu vois les coutures du tissu wax et de la doublure. Ensuite, tu vas ouvrir comme ceci, de telle sorte que tu aies la face, la bonne face en fait. Et tu vas poser comme ça que ça fasse endroit contre endroit. Regardez seulement ici, il faut seulement regarder même la partie ici 10 fois parce que même expliquer là, c'est chaud. Donc, je vais recommencer là, endroit contre endroit. Tu les colles comme ceci. Épingle pour arrêter. Et ensuite, tu vas faire en sorte que toutes les coutures se rencontrent entre elles. Là, ce bout également, je l'épingle. Toutes les coutures, couture contre couture, couture contre couture. Ici, c'est vraiment délicat, couture contre couture. Il faut être armé de patience ici et de beaucoup de concentration. Vraiment, cette vidéo, celle qui veut essayer, regarder cette vidéo au moins 10 fois. Ça semble beaucoup, mais vous mettez pause, vous regardez, vous mettez pause, vous regardez et faites des tests. Donc, couture contre couture. Tant que tu as couture contre couture, c'est bon. Tu vas les assembler comme ça, couture contre couture, et tu vas passer à la machine. Ok, voilà, c'est cousu. Voici à quoi ça ressemble. Et ici, je te rappelle, lorsque j'ai arrêté avec l'épingle, je vais donc ouvrir la couture à ce niveau. Vraiment, regardez juste les images. J'ouvre comme ça. Vraiment, ouvrir de cette manière et je vais épingler. Je fais pareil de l'autre côté. En fait, on doit retrouver une partie du tissu principal à l'intérieur de la doublure. Vraiment, le processus est comme sur le blouson en wax. Pour ceux qui sont attentifs, c'est pareil. Et là, je vais coudre comme ceci, jusque là, et de là. Et je vais ouvrir sur le côté au niveau de la doublure pour que je puisse sortir avec le découfil. Bon, j'ai ouvert là. Là, c'est cousu là. Je vais juste cranter au niveau de la fente là avec les ciseaux. Juste des petits crans pour que ça soit bien écarté. Et puis je vais retourner tout le vêtement. Donc, je passe ma main dans le trou et je vais attraper comme ça et je vais faire ressortir le tout. Voilà, je vais passer un coup de fer. Finalement, au niveau de ma fente, je vais faire autrement parce que normalement, je voulais pas mettre la fente. Mais lorsque j'ai essayé, je me suis rendu compte que je pouvais vraiment pas bien marcher. Donc, j'ai créé la fente. Mais prochainement, je vous montrerai comment la placer autrement. Mais sinon, commençons par là. Donc, je repasse. Je vais repasser partout, bien repasser pour bien aplatir toutes les coutures. Et ce sera tout. Vraiment, ça c'est un projet pas vraiment pour débutants plus mais pour débutants qui pour un débutant une débutante qui a le courage en fait. Mais sinon c'est un peu ça le truc et vous aurez une doublure propre à l'intérieur avec de belles coutures. Et là je vais fermer à cet endroit à la main ou à la machine. Je l'ai fait à la machine. Oh, 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 oh
que le tutoriel vous a plu, j'ai tellement envie de voir vos robes. J'ai tellement envie de voir ce que vous proposez et tout. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont déjà fait le patron, mais si tu as testé, n'hésite pas à partager le résultat avec moi. Si tu rencontres des problèmes, n'hésite pas à me contacter par email. Si il y a le groupe, contacte-moi si tu as un problème ou tu es bloqué quelque part. Je vais t'aider et tout, du mieux que je peux en fait, avec ce que je connais pour le moment, parce que je n'ai pas encore toutes les réponses en couture. J'apprends aussi comme vous, au fur et à mesure que j'avance. Donc, c'est un peu ça. N'oubliez pas de me rejoindre sur notre groupe Perles Rares, hein, en faisant des challenges couture. D'ailleurs, notre challenge, deuxième challenge couture est lancé cette semaine. Donc, n'hésite pas à rejoindre la team Perles Rares, l'avance challenge, on s'améliore. En fait, on est là-bas pour apprendre. Donc, n'hésite pas si tu veux t'améliorer. Je ne peux pas tout mettre sur YouTube. Il y a tellement de choses. Donc, on est là pour s'échanger et peut-être toi aussi tu as quelque chose à m'apprendre. Donc, du coup, on va s'échanger les idées et se motiver entre nous. Voilà, c'était donc tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo DIY. Restez en santé, restez en paix, restez créative, faites de plus en plus ce que vous aimez. Et moi, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse et merci encore pour tout votre soutien. Je vous embrasse très très fort et à très bientôt. Bisous! Bye bye!